l'intérieur. Quand tu seras tous là, que le jury sera arrivé, tu viens et tu viens te mettre au milieu. Et la scène, elle va se faire là. Moi, je veux parler. J'ai quelque chose à dire, moi. Et donc, c'est toi qui me dis, bon, allez, va t'asseoir, le mec du président et tout ça. Et après, tu vas te retrouver à ta place et En Afrique, on a toujours dit aussi que mieux vaut la mort que la honte. Ah, ça c'est clair. Ah oui. Bien sûr. Alors, pourquoi les États africains doivent de l'argent? Et vous trouvez que ça c'est normal, que anormal que les personnes réclament leur dû? Vous, en tant qu'expert, comment pouvez-vous, en fait, si le texte est mélangé, ne vous en faites pas, hein. Ça reviendra parce que je n'ai pas voulu le regarder. C'est-à-dire qu'elle prend l'argument d'abord mondial, de FMI et tout ça, et après elle prend un exemple de la vie quotidienne, hein, et en disant, vous trouvez que c'est normal de ne pas payer ses dettes? Elle vous traite d'irresponsable. Oui, oui, bien sûr. Là, ce qui est très frappant, je ne me pose plus la question de savoir qui est qui. Ce que j'ai sous les yeux, c'est un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes qui veulent prendre leur destin en main et qui ont une pensée théorique sur le sort de l'Afrique. Et ça, c'est très très beau, en en voyant les empêchements et les embarras. C'est très très beau. Maintenant, normalement, c'est qu'une voix. C'est une voix qui est reprise par plusieurs. Donc, juste, toi, quand tu seras ton texte, ça ira un tout petit peu plus vite. Fatou va aller un peu plus lentement. Toi, tu vas aller un peu plus lentement. On a essayé de manière à garder un rythme qui soit le même pour tout le monde. Tu vois, pour qu'on ait un flux continu de paroles. Que nous, on se dise... qu'on ait l'impression, si je ferme les yeux, que c'est presque la même personne qui a parlé. C'est une pensée qui a circulé entre vous cinq, c'est une pensée commune. Hein? Donc il faut qu'on l'entende, ça, et ça passe aussi par le rythme. Vous chantez la même chanson. Voilà.